Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans Genèse chapitre 39. Il s'agit de ce passage, on est dans l'histoire de Joseph et on a vu dans l'étude précédente Joseph qui est vendu en esclavage par ses frères. Et aujourd'hui on se retrouve donc dans ce petit chapitre ici qui nous raconte la suite de son histoire. Je vous invite à faire pause et à lire le chapitre et à revenir une fois que vous l'avez terminé. Alors voilà, si vous avez terminé, vous voyez cette histoire. On retrouve donc Joseph qui se retrouve du coup vendu comme esclave, puisque c'est pour ça qu'il a été vendu, et aux mains de Potiphar, qui est celui qui l'achète en tant qu'esclave. Ça se faisait à cette époque-là. Et on voit que tout commence à bien se dérouler pour Joseph, puisque on voit que finalement ça se passe bien, que son maître égyptien voit qu'en fait il réussit dans ce qu'il entreprend, il voit que Dieu est avec lui. C'est ce qu'on voit au verset 3, c'est très intéressant de voir ça, que en fait Dieu fait réussir ce qu'il entreprend. Donc c'est vraiment intéressant. Et ensuite on voit que du coup, grâce à Joseph, la maison de Potiphar commence aussi à réussir. On voit que voilà, tout fonctionne bien pour lui. Du coup, il donne absolument toute la gestion de la maison à Joseph. Donc finalement, on voit que Joseph, il a un peu son histoire, que le mal qui se transforme en bien d'une certaine manière. Il est vendu en tant qu'esclave, ça aurait pu être vraiment horrible. Et au final, on voit que ça commence à bien tourner pour lui. Et hop, on a au verset 7. La première petite tragédie qui arrive, la seule chose voilà, qu'il ne pouvait pas vraiment avoir, qui est la femme de son maître, qui commence à l'embêter, et lui, il lutte, il refuse. Donc en fait, il agit correctement, il agit bien, que ce soit selon ce que Dieu nous demande et en tant qu'obéissant à son maître au final. Et on voit qu'en fait, bizarrement, il fait tout ce qu'il faut faire. Et en fait, ça se retourne quand même contre lui et il est jeté en prison. Et j'ai envie de pointer un petit peu sur ce passage-là, puisque c'est vrai que parfois, dans la vie, on agit correctement, on fait tout ce qu'il faut faire, on agit bien, et pourtant, les choses ne vont pas dans notre sens, et pourtant, il y a tout qui s'écroule. On est, par exemple, accusé à tort, comme Joseph. On est accusé de quelque chose que l'on n'a pas fait. On agit bien et pourtant c'est les autres qui agissent mal qui réussissent, par exemple qui sont des imposteurs, ou voilà, qui mentent, qui changent des chiffres dans une entreprise par exemple, et eux ils vont réussir, eux on va leur faire des compliments, eux ils vont gagner de l'argent, et nous qui respectons les règles, qui étions honnêtes et bienveillants, et ben ça va pas marcher, on va même s'écrouler. On va être critiqué, on va perdre de l'argent. Enfin, des fois, il y a des situations comme ça dans nos vies qui ne s'expliquent pas. Et honnêtement, on peut des fois se dire, mais Dieu, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut faire, j'obéis à tes commandements, je te suis, je fais moralement de bonnes choses, je suis, on va dire, la loi morale, etc. Et pourtant, bah, rien ne va correctement. Et mon monde s'écroule, et en plus les méchants y gagnent. Et je pense qu'on va tous au moins une fois dans notre vie se poser cette question, vivre quelque chose d'un petit peu similaire. Et du coup, si on continue, on voit que certes Joseph est jeté en prison, donc c'est vraiment la dégringolade pour lui. Et au final, on voit que Dieu il est quand même avec lui. On voit au verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passait par lui. » On voit que à nouveau, dans son malheur, Joseph est béni. Donc on va voir comme si l'histoire se répétait en fait dans l'histoire de Joseph. Ça commence par une catastrophe, il est vendu par ses frères, qui se tourne en bien parce que finalement il va chez Potiphar et ça commence à bien se passer. Une nouvelle catastrophe où il est chassé en prison et finalement ça se retourne un petit peu en bien pour lui parce qu'il est quand même responsable de la prison, donc un petit peu mieux traité, il a des choses à faire, il est responsable de tous les autres prisonniers, etc. On voit aussi que dans tout ce qu'il fait, c'est que Dieu est avec lui, donc Dieu le bénit et Dieu il est avec lui. Donc on voit que c'est important et c'est pour ça qu'il réussit, c'est pas parce que c'est Joseph. Certes, il avait sûrement des habilités qui font qu'il arrivait à bien gérer tout ça, mais c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui lui a donné tout ça. Et deuxième chose, on voit qu'à chaque fois, on lui donne des responsabilités. Il a des responsabilités, il a à gouverner des objets, des choses, comme devenir un peu l'intendant de la maison de Potiphar. Et gérer ici, bah, pareil, au niveau de la prison, les autres prisonniers, gérer tout ce qu'il faut faire. Il a tout le temps un rôle de leader, en quelque sorte, de gestion et de leader. Et on voit du coup que ça devait aussi probablement être un don que Dieu lui a donné et que dans n'importe quelle situation, ce don s'est développé et il a pu utiliser ce don. Donc par exemple, dans la maison de Potiphar, il est esclave. C'est pas une situation enviable, c'est pas une bonne situation. Et pourtant, son don d'être voilà, gestionnaire, j'ai envie de dire, va ressortir et va quand même pouvoir être utilisé même en tant qu'esclave. En prison, en tant que prisonnier, encore une fois, pas du tout une position que l'on souhaite, et il va quand même pouvoir utiliser son don de gestionnaire. Et du coup, ça nous rappelle qu'en fait, Dieu, il nous utilise même dans les pires moments. Notre don peut se révéler et on peut toujours être utile et faire des choses, en fait, dans toute situation. Si on arrive à sortir un petit peu de cet état d'esprit, oh mon Dieu, ma vie est finie, je suis prisonnier, mon Dieu, ma vie est finie, je suis vendu comme esclave. Bon, voilà, on peut le transformer par des choses qui sont peut-être un petit peu plus actuelles aujourd'hui. Mais en fait, dans toute situation dans ta vie, Dieu peut t'utiliser et surtout, tu peux utiliser les dons et les talents que Dieu t'a donnés pour avancer et pour avancer, mais pas spécialement avancer, mais pour vivre ta vie à ce moment précis. Tu es en prison, ok, certes, ben, vis ta vie en prison avec les dons que Dieu t'a donnés. Donc ça peut être applicable à voilà, toute situation que vous avez. Parfois on est dans des situations, on n'a pas trop de main dessus. Peut-être que vous êtes dans une ville, à un endroit que vous aimez pas du tout, vous n'avez pas du tout envie d'y rester, mais vous êtes obligé entre guillemets pour des raisons familiales, des raisons de travail ou des choses un peu compliquées qui sont pas en fait de votre ressort. Et bien peut-être que Dieu il vous a placé à cet endroit précis parce qu'en fait vous pouvez lui être utile et vous pouvez vous concentrer sur vous dire oh là là j'ai pas envie d'être là, je veux partir, regarder ailleurs sans arrêt, ou vous dire bah ok Dieu il m'a placé là, ça veut pas dire je vais y rester toute ma vie, mais en ce moment j'y suis donc comment je peux être utile à Dieu ici. Et en fait, en ayant cette attitude, vous allez peut-être découvrir des choses autour de vous, des gens qui ont besoin de votre aide, vous allez pouvoir aider des personnes, créer des choses, avoir un peu plus de responsabilité dans une église qui a justement besoin. Ça peut être sur plein de choses. Et voilà, il faut vraiment du coup demander à Dieu et un peu changer sa mentalité. Du coup voilà, être utile à Dieu là où vous avez été placé. J'espère que ça vous encourage. Je sais totalement que parfois c'est pas évident de voir. On voit, on est dans un endroit, on est bloqué dans un moment de notre vie. Et on sait tout ça, mais on n'arrive pas trop à savoir. Mais ok Dieu, comment puis-je t'être utile ? Je vous invite vraiment à faire cette prière aujourd'hui et à vous poser un petit peu ces questions-là. Et en tout cas, j'espère que cette histoire de Joseph vous a vraiment encouragé pour votre vie actuellement. On se retrouve la semaine prochaine sur la suite, donc le chapitre 40. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire pour vous avancer sur cette étude. Si vous aimez cette étude, n'hésitez pas à la partager, surtout autour de vous. Partagez cette série, partagez cette vidéo. Je vous invite à liker si c'est le cas. Désolée pour le bruit autour de moi. J'ai des animaux un petit peu fous. Et je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!